Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tour de cartes. Vous allez voir qui est vraiment génial. Donc c'est un tour que vous pourrez faire à un spectateur et vous aurez besoin d'un jeu de cartes normal de 52 cartes. Et vous sortez les cartes de votre étui en disant que quand on achète un étui de cartes, les cartes sont rangées dans cet ordre-là. Donc de l'as au roi, de l'as au roi et ensuite du roi à l'as et du roi à l'as, cœur, trèfle, carreau et pique. D'accord? Vous expliquez bien ça au spectateur et vous allez mélanger le jeu. Donc, vous séparez le jeu en deux. Vous faites une rosace et vous demandez au spectateur d'imbriquer les cartes les unes dans les autres. Vous lui demandez d'égaliser et de poser les cartes sur le tapis. Ensuite, vous allez lui dire de faire 4 tas en déposant une carte à chaque fois. Donc vous lui montrez et vous lui dites qu'il peut les déposer où il veut. Et s'il veut en déposer 2 ou 3 sur le même tas, il peut aussi. Jusqu'à la fin. D'accord? Donc vous lui donnez les cartes à ce moment-là, il s'exécute, il distribue les cartes comme il le désire. Donc le choix est vraiment libre à ce moment-là. Vous égalisez l'état et vous demandez au spectateur de choisir deux tas, n'importe lesquels, et on va les mélanger ensemble. Donc imaginons, il choisit celui-ci et celui-ci. Donc on va les mettre de côté. Donc on va prendre les deux qu'il a choisi. Pareil, vous faites une rosace et vous lui demandez de mélanger les cartes ensemble. De faire de même avec les deux autres tas, pareil, il imbrique les cartes les unes dans les autres. Et à ce moment-là, on va mélanger encore une fois, à nouveau, les deux tas ensemble. Donc là, on vient de mélanger au moins 3-4 fois. Comme ceci, et il dépose le reste des cartes sur le tapis. Ensuite, vous dites au spectateur de reprendre des cartes en main et vous allez lui dire de distribuer une carte à la fois et de deviner si la carte qu'il distribue est rouge ou noire. Donc s'il pense qu'elle est rouge, il va déposer à gauche et s'il pense qu'elle est noire, il va déposer la carte à droite. Donc imaginons, je suis le spectateur et je commence. Donc je pense qu'elle est rouge, je mets ici. Et si je pense qu'elle est rouge, je mets ici. Rouge. Si je pense qu'elle est noire, je mets ici. Et donc le spectateur dépose les cartes une à une. Comme il le désire, c'est son intuition à ce moment-là qui rentre en fonction. Nous, on ne touche pas aux cartes vraiment depuis le début. C'est le spectateur qui fait tout. Donc là, c'est très fort jusqu'au bout comme ça. Et vous demandez d'égaliser les deux tas. Et à ce moment-là, vous dites au spectateur, si je vous montre maintenant que vous avez effectivement bien séparé les cartes rouges des cartes noires, vous n'en croiriez pas vos yeux. Vous pouvez peut-être penser que j'ai arrangé les cartes d'une certaine façon, ce qui est bien sûr impossible, puisqu'elles ont été mélangées 6 ou 7 fois. Et vous dites, je vais donc faire quelque chose qu'un magicien n'a jamais osé faire avant moi. Je vais mélanger ces deux paquets l'un dans l'autre, tel que vous les avez distribués. Voilà, vous dites exactement ça. Et pareil, vous refaites une nouvelle fois de rosa si vous demandez au spectateur d'imbriquer les cartes les unes dans les autres. Et vous demandez au spectateur d'égaliser le jeu sur le tapis. Puis vous dites au spectateur qui va devoir distribuer les cartes une à une sur la table, face cachée, en prenant du dessus du jeu. Donc vous le laissez faire, encore une fois, le spectateur fait tout vraiment depuis le début. Donc il distribue. Très doucement, et à partir d'un certain moment, vous allez lui dire de s'arrêter et de faire une autre pile à côté. À un certain moment, le magicien demande au spectateur de s'arrêter et de déposer le reste des cartes ici. Donc nous nous retrouvons avec 3 piles. Puis vous prenez le paquet du milieu et vous le mélangez. Et tout en le mélangeant, vous dites au spectateur, si je vous disais que le paquet que j'ai entre les mains
était composé de 20 cartes, vous dites cela ne vous paraîtrait pas extraordinaire, hein, ok? Mais si je vous disais qu'il y a exactement 10 cartes noires et 10 cartes rouges dans ce paquet, et là ce qui est fou c'est que vous avez dit 10 cartes rouges et 10 cartes noires, donc apparemment le spectateur n'a pas réussi à séparer les cartes rouges des cartes noires, et vous mettez les cartes rouges et les cartes noires, vous séparez. Et vous comptez le nombre de cartes rouges, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et vous comptez le nombre de cartes noires, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. J'avais bien raison, j'avais prédit 10 cartes rouges et 10 cartes noires qui malheureusement n'ont pas été séparées. Puis vous mettez la pile du milieu de côté, puis vous prenez les deux tas restants dans chaque main et vous dites par exemple, eh bien voilà qui n'est pas mal. Mais si en plus je vous montrais qu'après tous ces mélanges, vous aviez effectivement séparé les cartes rouges des cartes noires, ce serait un véritable miracle, n'est-ce pas? Et là vous montrez que vraiment le spectateur a vraiment séparé les cartes rouges des cartes noires malgré tous ces mélanges qu'il a fait lui-même. Donc voilà pour ce superbe tour, vraiment c'est un tour que j'affectionne énormément. Le principe est vraiment très bon, vous allez voir, c'est très facile à faire en plus. On se retrouve tout de suite pour l'explication. Donc on se retrouve pour l'explication de ce tour. J'espère que vous avez apprécié vraiment ce tour super. Donc vous allez voir, vous n'allez pratiquement jamais toucher au jeu du début à la fin. C'est le spectateur qui va faire à chaque fois tous les mélanges. Et en faisant les mélanges rosaces, pour ceux qui ne savent pas faire les mélanges en queue d'aronde, c'est super parce que ça marche nickel. Si vous avez affaire à quelqu'un qui sait faire un mélange en queue d'aronde, n'hésitez pas à lui faire faire. Donc vous avez vu l'arrangement du jeu devant vous. C'est comme si vous sortiez un jeu tout neuf de l'étui, ça sera exactement dans le même ordre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer, donc vous expliquez bien aux gens que quand vous achetez un jeu de cartes, que quand vous le sortez, elles sont rangées de l'as au roi, et du roi à l'as, et du roi à l'as, d'accord? Avec quatre couleurs distinctes. Et ce que vous faites, à ce moment-là, vous allez séparer en deux aux deux rois, à l'intersection des deux rois, et vous allez faire une rosace de chaque paquet. Donc vous allez tourner chaque paquet. Ce qui fait que quand on va imbriquer les cartes les unes dans les autres, on va avoir toutes les couleurs ensemble. On va avoir toutes les noires ensemble et toutes les rouges ensemble. C'est automatique. Donc vous pouvez très bien commencer vos tours en ayant mis toutes les rouges ensemble et toutes les noires ensemble. Mais je trouve que ça a peu d'intérêt. Puisque vous allez voir avec la rosace, ça sera automatique. Vous ne pouvez pas vous tromper. C'est le spectateur qui fait tout. Et on justifie le fait de montrer les cartes au début en disant voilà, quand on achète un jeu tout neuf, il est classé comme ceci. Et là, le spectateur le mélange vraiment lui-même. Donc, il pense que les cartes sont vraiment mélangées à ce moment-là. Et vous allez voir que on vient de séparer les rouges avec les rouges et les noirs avec les noirs. Voilà. Donc là, vous voyez que il y a un décalage. Il y a une noire qui est ici et une rouge qui est ici. Mais c'est pas grave, vous pouvez laisser comme ça le jeu, mais en général ça séparera vraiment automatiquement. Sauf là, il y a une rouge qui devrait être là. Vous allez voir, ça marche quand même. Ensuite, vous dites au spectateur de faire 4 tas en prenant une carte à la fois. Et de déposer sur chaque tas qu'il veut, le nombre qu'il veut. D'accord, il peut en déposer 2, 3 d'affilée. Il peut changer de paquet, de direction. Il peut faire ce qu'il veut. Donc il doit distribuer toutes les cartes jusqu'à la fin. Donc il fait encore tout, il a vraiment les cartes en main depuis le début, et vous allez voir on va mélanger pas mal de fois, quand même, et à la fin le spectateur aura réussi à séparer les couleurs malgré tout, et c'est ça qui est fort dans ce tour je trouve, c'est que ça paraît vraiment impossible. Vous égalisez les tas, et vous lui demandez de choisir deux tas au hasard, d'accord, deux paquets, donc il va choisir celui-ci et celui-ci. Hop, vous les mettez comme ceci et vous dites au spectateur, on va les mélanger, donc vous tournez les cartes. Donc là, vous voyez qu'il y a beaucoup moins de cartes. Là, il y en a un peu plus, mais c'est pas grave. Vous faites quand même votre mélange. Ici, et vous prenez les deux autres et pareil, vous les mélangez à nouveau en rosace. Et vous dites, pour que les cartes soient vraiment bien mélangées, on va à nouveau mélanger les deux paquets. Donc vous refaites une rosace ou une queue d'aronde si le spectateur sait le faire.
ici. Et en faisant ça, en fin de compte, on a à nouveau réuni les rouges ensemble et les noirs ensemble, sauf au milieu où vous aurez quelques cartes mélangées, rouges et noirs. Voilà. Donc voilà, vous avez toutes les rouges ici, toutes les noires d'un côté. Au milieu, vous avez quelques rouges et quelques noirs. On a toujours la noire ici qui est mal placée, mais vous allez voir, ça va être bon quand même. Et ensuite, vous lui dites, vous allez prendre les cartes en main, toujours, et vous allez distribuer une carte à gauche si vous pensez qu'elle est rouge, et une carte à droite si vous pensez qu'elle est noire. Donc le spectateur dépose le nombre de cartes qu'il veut. Donc c'est lui vraiment qui fait marcher son intuition. Vous parlez pas du tout pendant ce moment-là pour pas l'influencer. Et vous pouvez dire à ce moment-là, par exemple, si je vous montre maintenant que vous avez séparé les cartes rouges des cartes noires, vous n'en croiriez pas vos yeux. Vous penseriez que j'ai arrangé les cartes d'une façon ou d'une autre. D'accord? Ce qui est bien sûr impossible puisqu'elles ont été mélangées 6 ou 7 fois. Et là, vous dites, je vais donc faire quelque chose qu'un magicien n'a jamais osé faire avant moi. Je vais mélanger ces deux paquets l'un dans l'autre, tel que vous les avez distribués. Et vous le faites. Donc vous laissez faire le spectateur, il mélange à nouveau. Donc là, ça paraît vraiment fou. On se demande comment le spectateur va pouvoir réussir à séparer les rouges des noirs. Et là, vous lui dites de distribuer les cartes une à une sur le tapis. Et vous allez compter 16. Et à 16, vous lui direz d'arrêter. Donc vous comptez vraiment dans vos têtes. Comme si vous faites comme si vous ne comptiez pas. Vous dites, allez-y, distribuez des cartes. Je vous dirai de vous arrêter. Arrivé à la 15e, vous pouvez dire, vous allez bientôt vous arrêter. Et dès qu'il est arrivé à 16, vous lui dites arrêtez. Veuillez continuer à côté en faisant une autre pile. Et là, vous allez compter 20 dans votre tête. Arrivé à 18, vous pouvez dire vous allez bientôt arrêter. Arrivé à 20, vous dites veuillez vous arrêter et déposer le reste ici. Et vous dites nous avons 3 piles. Pourquoi 3 piles alors que je vous ai demandé de séparer les rouges et les noirs? Et vous prenez le paquet du milieu en premier toujours, parce que là vous aurez tout le temps les rouges ou les noirs, les mêmes couleurs. Et au milieu, vous aurez toujours des cartes séparées. Vous prenez le jeu en main, vous le mélangez. Donc mélangez-le bien avant. Et vous pouvez dire tout en mélangeant, si je vous disais que le paquet que j'ai entre les mains était composé de 20 cartes, vous dites cela vous ne paraîtrait pas trop extraordinaire. Vous pourriez dire que j'ai très bien pu les compter pendant que vous les distribuiez. Mais si je vous disais qu'il y a exactement 10 cartes noires et 10 cartes rouges dans ce paquet, vous conviendrez que cela serait déjà mieux. Là, il va pas en venir, d'accord? Et vous retournez la première carte, c'est une noire. Une noire, vous les mettez ensemble. Et vous mettez les rouges ensemble. Ici. Et vous comptez le nombre de cartes rouges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est bon. Et le nombre de cartes noires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est bon aussi. Là, on arrive à la fin du premier effet. Et là, à ce moment-là, vous prenez les deux paquets dans votre main, comme ça. Ensuite, vous prenez les deux tas dans vos mains et vous dites au spectateur, et si en plus je vous montrais qu'après tous ces mélanges, vous aviez effectivement séparé les cartes rouges des cartes noires, ce serait un véritable miracle, non? Et tout en disant ça, vous retournez les paquets et vous les mettez comme ceci. Et vous montrez que le spectateur a réussi à séparer toutes les cartes rouges et toutes les cartes noires. Il les a mis vraiment ensemble. Ce qui paraît vraiment fou, puisque le spectateur a tout fait lui-même du début à la fin. C'est lui qui a vraiment tout mélangé à chaque fois. Et vous avez vu, on avait une carte noire qui était mal placée, qu'on a fait le premier mélange, qui était décalée. Et vous voyez que malgré tout, on arrive quand même à la fin avec que des cartes noires et que des cartes rouges. Donc vous inquiétez pas, faites le mélange rosace, ça marche très bien. Donc voilà, vraiment c'est un procédé que on connaît tous, Out of This World. Hein, c'est un tour très connu, je connais beaucoup de versions. Cette version-là, je ne la connaissais pas et vraiment, elle est impressionnante. Pourquoi? Parce qu'on mélange beaucoup quand même.
Et à la fin, on arrive vraiment, le spectateur a vraiment réussi à séparer. Donc ça, c'est très fort. Donc voilà, c'est très simple à faire. Je vous répète pas l'explication. Je pense que ça a été assez clair. Faites-le vraiment, c'est un très bon tour. Il n'y a pas de mémorisation à faire, de manipulation, puisque vous ne touchez pas aux cartes du début à la fin. Et ça marche super bien à chaque fois. C'est impressionnant aussi d'avoir 10 cartes rouges, 10 cartes noires au milieu, si vous le dites avant. Et là, on a vraiment les couleurs. J'aime beaucoup vraiment. J'aime bien la, comment dire, le cheminement du tour. Voilà. Ça paraît vraiment fou dans la tête des spectateurs, je vous garantis. Faites-le, vous allez voir, la réaction va être très bonne. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tour de magie. Je vous dis à très vite pour d'autres tours. Merci de commenter, de liker, de vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. Et je vous dis à très vite. Merci pour votre fidélité. Bye bye.